Du coup, les frères, je viens de me laver les cheveux, etc. Je suis posé, on va pouvoir discuter de ce qui s'est passé avec Muriel hier. Prenez du recul, ne commentez pas la story comme des 2008. Désolé, 2008, je vous tire toujours dessus, mais c'est vous les gamins aujourd'hui. Donc voilà, parlez pas pour, comme des gamins. Prenez du recul et je vais vous parler d'une traite. Et après, je vais aller dormir. Je sais même pas si je peux dire ça comme ça parce qu'on n'était pas ensemble, mais finalement, on continue quand même pas ensemble. Bref, vous avez compris. Donc voilà, hier, Muriel a dit qu'elle voulait qu'on arrête ici. Moi, je vais vous dire un truc, j'en suis persuadé, et même j'en suis sûr et certain que hier, elle a parlé sur le coup des émotions, elle était énervée, et du coup, les émotions ont pris le dessus. Il faut savoir que les meufs, elles sont très émotives, c'est-à-dire sous le coup des émotions, les meufs, elles disent plein de choses qu'elles pensent pas. Ok, une meuf, elle peut têche un mec qu'elle aime, mais sous le coup de l'émotion, elle était énervée, bah vas-y, dégage. Une meuf, je sais pas, elle peut partir en vrille à cause de ses émotions. C'est ça, en fait, les meufs, elles sont souvent beaucoup plus émotives que nous, les garçons. Et je pense que hier, Muriel était avec ses émotions, etc., qui étaient grave, 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 grave agitées en elle. Et en plus de ça, avec tout ce qu'elle a entendu autour d'elle, l'engrenage, sa meilleure pote qui pissait dans son cerveau, je pense que c'est ça qui a mené à ce qu'elle a dit hier. Mais j'en suis persuadé que la plupart des choses qu'elle a dit hier, c'est pas ce qu'elle voulait vraiment dire. J'ai rien à dire, écoute. Ben, je suis désolée, moi je veux prendre mes distances avec toi. Au non, mais t'as pas dit prendre tes distances. Là, t'as dit c'était terminé. Pourquoi maintenant tu changes de discours en disant prendre mes distances? Il y a 2 minutes, c'était fini, fini, fini. Maintenant, ça parle de prendre ses distances. Je suis désolé. Tu vois, ça, c'est le problème en fait. C'est que tu parles sous le coup des émotions, c'est-à-dire que Non, tu sais même. Voilà, après moi, hier, c'est vrai que j'ai pas eu la meilleure réaction, mais c'est parce que je m'attendais vraiment pas à ce que ça aille aussi loin, je vous jure. Pour moi, c'est vrai qu'il y a eu des choses extra et tout qui l'ont pas plu. C'est pour ça que je m'en suis même excusé et tout en live. Mais de là à ce qu'on termine tout juste pour ça, je pense que ça. Je pense que ça méritait pas ça. Après, voilà, je pense que Muriel, elle a voulu faire la technique de l'électrochoc. C'est-à-dire, des fois, des meufs, elles font des trucs pour qu'on réagisse. Elles vont te dire, ouais, c'est terminé, et tout pour que tu réagisses et voir si t'as une réaction. Et moi, en fait, je savais qu'elle faisait ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pas voulu réagir. Parce qu'en fait, j'aime pas qu'on. Pas qu'on joue avec moi, mais j'aime pas quand les choses, elles sont floues, elles sont pas claires comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que j'aurais pu avoir une meilleure réaction. Mais franchement, je vous jure, je m'attendais pas à ça. Et je trouve que la fin, elle est vraiment triste. Et j'aurais aimé que ça passe autrement avec elle, parce que je vous jure que Muriel, c'est une meuf que j'aime. J'ai honte de dire ça, je m'en bats les couilles, je le dis que j'aime vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà. Mais Je frère, tu comprends viens pas de le donner ta décision, et du coup maintenant j'accepte ta décision, et maintenant ça revient sur du, tu vois, là je comprends pas, etc. et tout, frérot, s'il te plaît. C'est pas que je comprends pas, c'est que je vois juste la réaction que j'ai en face de moi. Mais ma réaction, c'est la réaction d'un mec qui sait très bien que tu penses même pas ce que tu dis. Mais c'est parce que c'est moi, j'avoue clairement, je fais pas la tismée à te Ok. dire, je te laisse dans le doute de oui, je pars et tout. Je te dis ouvertement mes pensées, que oui, je t'aime, je prends cette décision à contre-cœur, mais je la prends pour moi, parce que là, je Ok, pense mais pas alors à pourquoi toi. tu as. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et le plus important, c'est. C'est NCB, les gars. NCB, il n'y a pas de retour en arrière. C'est pas grave. On est ensemble.